Je vous invite à un moment de présence. Une présence à vous-même, une présence à tout ce qui est perçu. Être présent demande de l'attention. Porter son attention au fait d'être permet d'être présent. Cette présence est une évidence. Cela vous est donné. Auriez-vous quelque chose à faire pour être? Auriez-vous quelque chose à acquérir? N'est-ce pas simplement un fait? Vous êtes. Être présent, est-ce une expérience limitée ou vaste? Pour explorer les caractéristiques de cette présence, je vous invite à fermer les yeux. Et à voir si cette présence a une limite. Par limite, j'entends un endroit où la présence s'arrêterait pour laisser la place à autre chose. Pouvez-vous trouver sur votre droite une limite à la présence? Où serait cette limite? Restez simplement dans l'expérience. Ne répondez pas à la question avec ce que vous savez. Observez. Pouvez-vous vraiment expérimenter un endroit où vous vous arrêtez? Regardez de l'autre côté, en haut, en bas. Devant, derrière. N'êtes-vous pas vaste, illimité? N'y a-t-il pas simplement une vaste présence? Et au sein de cette présence, vous pouvez être présent à toutes les sensations de votre cœur.
et notamment, vous pouvez observer les sensations de la respiration. Vous pouvez porter votre attention sur la respiration. Vous êtes présent à la respiration. Mais cette présence sans limite n'est-elle pas plus vaste encore que la respiration? Plus vaste que toutes les sensations du corps. Elle inclut la respiration. Elle inclut les sensations du corps. Si vous ouvrez les yeux, les formes et les couleurs apparaissent au sein de la présence. C'est la même présence qui accueille les formes, les sensations et les couleurs. Cette présence illimitée ne se divise pas. Elle est suffisamment vaste pour tout accueillir. Je vous propose de nouveau fermer les yeux et de poser votre attention sur les sons, sur le son du bol qui va sonner. Présence au son, un son qui traverse la présence. La présence silencieuse vibre avec le son. Progressivement, les vibrations s'apaisent et l'être revient
au silence. Le silence de l'être est-il perturbé par le son? Garde-t-il des traces du son? Le silence de l'être n'est-il pas immuable? N'est-ce pas le seul vrai silence? Les sons ne sont-ils pas comme des vagues à la surface de l'océan? Les vagues sont faites de l'océan, mais ne sont que des vibrations de l'océan. Elles ne sont pas différentes de l'océan. Le son survient au sein du silence de l'être, de cet océan de silence. Mais en est-il séparé? Comme les vagues ne sont jamais séparées de l'océan. Les plus grandes vagues ne peuvent pas abîmer l'océan, pas plus que les sons ne peuvent détériorer le silence de l'être. Je vous invite maintenant à vous ouvrir à tous les sons que vous pouvez percevoir. Écoutez, n'y a-t-il pas toujours de petites vagues de bruit au sein du silence de l'être? Même si vous êtes dans un endroit tranquille, il y aura toujours le bruit de votre respiration. Peut-être un petit sifflement dans vos oreilles. Le bruit de ma voix. Les bruits de la nature, les bruits du vent. Et peut-être les bruits de la maison, les bruits de la rue. Prenez conscience des sons au sein du silence de l'être.
Accueillez chacun des sons comme l'océan accueille les vagues. Les sons sont-ils à l'intérieur, à l'extérieur? À l'intérieur de quoi? À l'extérieur de quoi? Le son ne vous traverse-t-il pas simplement? Y a-t-il une distance entre vous et le son? Quelle distance y a-t-il entre la vague et l'océan? Respirez, détendez-vous au sein de cet océan de silence. Un océan de silence rempli de sons qui en émergent et puis qui y retournent. Conservez bien la lumière de l'attention allumée. Et si des pensées arrivent, voyez-les et ne les suivez pas. Voyez qu'elles émergent aussi de ce silence. Revenez juste à la présence au son. Présence au silence entre les sons. Présence au silence qui accueille les sons.
Le temps de cette méditation dirigée touche à sa fin, mais après le son du bol, vous pourrez continuer à méditer 10 minutes en silence. Le son du bol retentira alors une seconde fois.